Bien, bonjour. Merci beaucoup donc pour l'organisation du congrès. On m'a donc demandé de vous parler des trabéculations VG du sportif, surtout VG a priori. Vous verrez que c'est des situations qui ne sont pas rares du tout dans la population sportive. Et juste pour illustrer le dossier, un homme de 20 ans qu'on a vu en consultation, qui fait du cyclisme à haute intensité, qui est complètement asymptomatique, aucune hérédité cardiovasculaire avec un examen qui est parfaitement normal, et qu'on voit donc pour un bilan systématique. Bon, son électrocardiogramme, je l'ai jugé comme étant adapté à sa pratique sportive. Et à l'échocardiographie transthoracique, c'est vrai au niveau de la paroi inféro-apicale, on observe donc eh bien, des phénomènes de trabéculation, malgré un ventricule gauche qui apparaît à peine dilaté, avec un diamètre à 57 mm en télédiastole, et une fraction de l'éjection donc, qui est conservée. Et donc, dans le contexte de sa pratique sportive, il a bénéficié d'une IRM, et le radiologue conclut qu'il existe un aspect de non-compaction du VG, sans rehaussement tardif, avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui est conservée. Donc, c'est toute la difficulté de faire la différence entre des trabéculations qui sont plutôt adaptatives chez l'athlète et d'une myocardiopathie de non-compaction. Ça reste finalement assez challenging selon les différents papiers, et ça reste une question assez récurrente chez les sportifs qui, comme vous allez le voir, développent fréquemment des phénomènes de trabéculation. La difficulté, c'est que la myocardiopathie de non-compaction, qui reste une myocardiopathie assez mal déterminée, c'est une pathologie à risque de complications, notamment thromboembolique, hein, hémodynamique et également d'arythmie ventriculaire, surtout à l'effort. Et on verra que les recommandations, elles insistent surtout sur la recherche de symptômes à l'effort. Et c'est une myocardiopathie dont la mortalité reste tout de même tout à fait significative. La difficulté aussi, c'est que les critères du diagnostic de la non-compaction, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont des critères qui sont multiples et essentiellement à l'imagerie, c'est-à-dire en échocardiographie, avec les critères de Jenny que vous connaissez, les critères de Peterson. Donc ce sont des critères qui sont multiples, qui sont débattus et qui vont finalement définir uniquement un phénotype qui est compatible avec une non-compaction. On ne peut pas parler de myocardiopathie lorsque l'on a ces critères qui sont positifs. Alors, dans ce contexte, il y a eu d'autres critères qui ont été étudiés. J'en ai fait le listing ici, ça ne sert à rien de tous les lire. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aucun n'est corrélé aux événements cardiovasculaires. En d'autres termes, ce qu'il faut retenir, c'est que l'importance de la masse trabéculée n'apporte pas d'éléments d'information intéressantes sur le plan pronostic. Et ça, c'est quelque chose, et c'est le premier point qui est fondamental. Le deuxième point, c'est que ces différents critères ne vont faire que finalement induire des difficultés sur le plan diagnostique et vont surestimer le nombre de non-compactions, parce qu'on le sait, notamment il y a une étude de la MESA qui avait été faite là-dessus, quand on va appliquer ces différents critères dans une population saine, eh bien, c'est absolument pas rare qu'une partie de la population matche avec ces critères. Dans cette étude de la MESA, c'était 25% de patients, enfin de sujets sains, qui eh bien, répondaient positivement aux critères de Peterson. Et quand ils étaient surveillés sur une période de 10 ans, absolument aucun événement cardiovasculaire n'avait été retrouvé. Donc attention, c'est des choses qui avaient été vues aussi avec Stéphanie ce matin à l'IRM. Alors, si l'expression phénotypique ne nous aide pas, est-ce qu'éventuellement la génétique peut nous aider? Là non plus, ce n'est pas très clair. Il n'y a pas de génotype précis de la non-compaction. Il y a de nombreuses mutations qui ont été déterminées dans le cadre des myocardiopathies de non-compaction, qui vont coder essentiellement sur des protéines sarcomériques, mitochondriales, desmosomales. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la myocardiopathie de non-compaction, c'est une variation phénotypique d'autres myocardiopathies, et qu'il y a donc un véritable overlap génétique avec des cardiopathies d'identification plus précise, CMH, CMD et même des canalopathies, voire même des laminopathies. Ce qu'on observe également, c'est que 50% des cas de non-compaction sont des cas qui sont sporadiques, sans expression génotypique, enfin sans identification génotypique. 16% sont des formes familiales sans expression génétique, enfin sans génotype précis, pardon. Et 30% ont une identification génétique. Donc ça reste finalement assez léger. La difficulté, c'est que les athlètes développent des phénomènes d'hypertrabéculation. Et dans cette étude de Getty, eh bien, qui avait comparé plus de 1 000 athlètes avec 415 contrôles et quelques patients qui avaient des vraies myocardiopathies de non-compaction, eh bien, ce qui était observé, c'est que 18% des athlètes, surtout des Afro-Caribéens, avaient des hypertrabéculations tout à fait marquées, surtout donc, eh bien, sur des sports à haute composante d'endurance. Et 8% des athlètes avaient même deux critères positifs pour une non-compaction.
Alors ça, c'est intéressant. 0% des patients sédentaires n'avaient ces critères qui étaient positifs. Certains même avaient des modifications de l'électrocardiogramme avec des ondes T négatives dont la répartition était plutôt au niveau des précordiales de V1 à V4. Certains même, il y en a une dizaine qui avaient une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 50%. Mais tout cela, tous ces athlètes qui ont été suivis plus de 48 mois, n'ont développé absolument aucun événement cardiovasculaire. À la différence donc des patients qui avaient une non-compaction et dont certains et beaucoup avaient une dégradation de la fraction d'éjection, où la distribution des troubles de repolarisation était plutôt typique des myocardiopathies au niveau inféro-latéral. Donc, il y a vraiment deux entités essentielles que sont à la fois des trabéculations liées à une surcharge volumétrique chronique liée à l'entraînement où on va observer une dilatation progressive du ventricule gauche, le maintien d'une fraction d'éjection en règle générale supérieure à 50% et un électrocardiogramme qui va rester dans les choses attendues, et puis une véritable myocardiopathie où l'électrocardiogramme va progressivement se modifier, il va y avoir une dégradation de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc, il y a vraiment deux choses qui sont distinctes dans ce contexte. Alors, il faut reprendre l'histoire embryonnaire de la non-compaction. À la base, l'aspect non-compacté spongieux du cœur, c'est quelque chose de fonctionnel, on le sait. L'oxygénation musculaire se fait via l'oxygène de la cavité ventriculaire gauche. Et progressivement, la circulation coronaire devient efficiente. Et donc, le muscle se compacte progressivement, devenant oxygéné donc, via la circulation coronaire normale. Et finalement, il y a également deux théories qui vont s'opposer dans l'existence de ces hypertrabéculations. À la fois, la vieille théorie où on dit que la non-compaction, c'est l'absence de compaction de ces couches myocardiques embryonnaires, mais également une autre théorie un petit peu plus récente qui considère qu'il s'agit plutôt d'une croissance excessive de tissus compactés au sein de la cavité ventriculaire gauche. Donc probablement qu'on peut même considérer qu'il y a peut-être deux modèles d'explication de ces hypertrabéculations. Donc dans la population sportive, pourquoi est-ce qu'il y aurait une hypertrabéculation en dehors de la dilatation progressive du muscle du ventricule gauche avec le déploiement de ces trabéculations? C'est, on le sait, l'objectif du remodelage, c'est d'améliorer la vitesse de remplissage du ventricule gauche et d'améliorer le débit cardiaque. Alors il y a quelques études qui se sont intéressées à ça chez le sportif, mais ce sont des études qui ont été étudiés sur des modèles mathématiques, donc à prendre avec un tout petit peu de recul, qui consiste à dire que ça permettrait de réduire le stress pariétal et d'améliorer le coût énergétique et donc le débit cardiaque. Mais ça reste bien entendu très discutable. Il y a aussi un autre modèle, on en discutait tout à l'heure, d'hypertrabéculation, c'est également la grossesse ou la surcharge volumétrique induit également l'apparition de phénomènes d'hypertrabéculation. Alors, il y a d'autres études qui se sont intéressées justement à ces phénomènes d'hypertrabéculation. L'incidence chez les athlètes reste variable, 1,4% dans cette étude de Caselli en 2016, avec le diagnostic de non-compaction chez 3 athlètes, chez des patients qui avaient tout de même une histoire familiale, une dégradation de fraction d'éjection, des anomalies à l'IRM majeure, voire un testing génétique positif. Tout cela ont bien sûr été écartés de la pratique sportive à haute intensité. Il faut aussi tenir compte de l'ethnie, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, les Afro-Caribéens ont tendance à avoir un petit peu plus d'hypertrabéculation au niveau inféro-latéral et apical. Dans cette étude, ce qui était retenu également, c'est que les Afro-Caribéens avaient tendance à avoir une fraction d'éjection ventriculaire gauche un petit peu réduite, ce qui peut également nous orienter à mal vers l'existence d'une réelle myocardiopathie. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'hypertrabéculation du ventricule gauche chez le sportif, c'est quelque chose de dynamique qui va apparaître avec la dilatation au cours de la période d'entraînement, mais les phénomènes de désentraînement vont induire à la fois un remodelage ventriculaire gauche inverse et la réduction de ces phénomènes de trabéculation. Ça, c'est quelque chose aussi à retenir. Donc, l'hypertrabéculation du VG chez le sportif, c'est un mécanisme d'adaptation à la surcharge volumétrique qui est dynamique, qui prédomine chez l'afro-caribéen et qui va avoir des critères de non-compaction de façon fréquente, mais chez un patient qui reste asymptomatique et avec une fraction d'éjection conservée. Pour autant, et ne lisez pas le tableau, l'existence d'une non-compaction, si on se trompe, ça peut être gravissime, puisque dans ce recueil de case report chez des patients sportifs avec des réelles non-compactions, le pronostic reste relativement sombre avec, on le voit, 17% de morts subites dans ce recueil de case report. Ce sont des symptômes qui apparaissent souvent à l'effort. Donc, on a besoin d'avoir d'autres arguments pour pouvoir s'orienter vers le caractère bénin de ces hypertrabéculations. Alors, le strain peut éventuellement apparaître comme un outil intéressant,
parce que chez les patients qui ont des myocardiopathies avec une fraction d'éjection supérieure à 50%, vraisemblablement le strain tend à se dégrader de façon un petit peu plus précoce. La problématique, c'est que ce soit segmentaire ou global, le strain va apparaître aux alentours de moins 17% pour des fractions d'éjection ventriculaire gauche qui reste supérieure à 50%. Et on sait que l'athlète peut avoir un strain qui peut se réduire jusqu'à moins 16, moins 17%. Donc ça peut poser une difficulté. L'imagerie la plus importante, c'est l'IRM, parce qu'on le sait, notamment dans cette étude, eh bien, les deux critères pronostiques péjoratifs majeurs sont le rehaussement tardif et la dilatation ventriculaire gauche, qui, quand elles ne sont pas présentes, sont de bons paramètres, de bons pronostics. Et là encore, on le sait, il n'y a pas de corrélation entre la masse trabéculée et le pronostic à moyen terme. Il y avait d'autres études qui s'étaient intéressées à l'absence de rehaussement tardif et le caractère de bon pronostic chez des jeunes patients avec une myocardiopathie de non-compaction. L'électrocardiogramme est intéressant aussi, puisqu'il semble que le QT corrigé puisse avoir une corrélation avec la charge en fibrose myocardique et la baisse de la fraction d'éjection. Et un QT corrigé à moins de 440 millisecondes, avec une sensibilité de 80%, permettrait de prédire un taux d'événement tout à fait mineur. Donc ça peut être éventuellement quelque chose d'intéressant aussi. Donc, comment est-ce qu'on s'oriente chez un patient qui présente chez un sportif, pardon, qui présente des critères d'hypertrabéculation, éventuellement concordant avec une non-compaction? Eh bien, ça reste finalement assez classique. L'absence de symptômes, on va rechercher l'absence de symptômes, l'absence d'hérédité, un électrocardiogramme qui doit rester normal ou en tout cas une répartition des ondes T si elles sont négatives qui ne doit pas être en inférolatéral, l'absence de bloc gauche, une fraction d'éjection ventriculaire gauche conservée, en tout cas l'absence de dégradation à l'effort, des capacités oxydatives qui doivent être maintenues, l'absence de troubles du rythme, l'absence de rehaussement tardif, auquel on peut rajouter éventuellement une période de désentraînement si on a un doute. Et puis, comme on vous l'a rappelé ce matin, on peut aussi rechercher à l'IRM des petits critères qui nous permettent d'avancer, et notamment l'absence d'amincissement de la zone compactée. Quant au dépistage génétique, pas d'intérêt a priori, du fait de la grande hétérogénéité des mutations à rechercher et faiblement retrouvées. Très rapidement, les recommandations américaines sont simples. Chez ces patients-là, tous les sports sont autorisés si la fraction d'éjection est conservée, qu'il n'y a pas d'anomalie rythmique, pas de syncope, notamment à l'effort, ni d'autres symptômes. Sinon, ce sont des sports 1A qui sont autorisés. Dans les recommandations européennes, on considère que les athlètes qui ont une hypertrabéculation du ventricule gauche ne doivent pas être considérés comme ayant une non-compaction, surtout s'il n'y a pas d'hérédité, s'il n'y a pas de symptômes, que l'électrocardiogramme est normal et qu'il n'y a pas de dysfonction ventriculaire gauche. Lorsqu'il y a un doute sur une non-compaction, mais que la fraction d'éjection est conservée, qu'il n'y a pas de symptômes, pas d'arythmie et pas de syncope, on va juste les restreindre sur les activités à haut risque de blessure ou de décès en cas de syncope. Et pour les autres, ce sera sport-loisir seul. En conclusion, les trabéculations VG, c'est fréquent chez l'athlète, d'une origine adaptative le plus fréquemment, avec des critères à l'imagerie qui tendent à surestimer le nombre de non-compactions du ventricule gauche. Attention, puisque la non-compaction reste une myocardiopathie sévère et à risque de mort subite, donc il faut s'orienter sur des faisceaux d'arguments multimodalité pour différencier les formes à risque. L'IRM est fondamental dans le contexte et il n'y a pas d'intérêt vraisemblable à la génétique pour le moment. Merci beaucoup pour votre attention.